analyse moi encore. On parle entre gens civilisés, Chouan. Va faire tes petits commerces. On parle entre indiens. Va faire ton commerce avec ton mal à caca là. Et puis il me parle. Oh là là, ça vole. Oh là. Scorpion sur toutes nos games, c'est ce que t'as fait de plus proche pour meubler. C'est la meilleure manne de Scorpion depuis toutes ces années. Chouan, c'est un petit peu un mentor pour nous tous, du coup je. Bah tant méchant. Allez Youngstar, fais-nous ton accent arabe là. Non. Ton accent timouride. Non, sa mère elle lui a dit d'arrêter, ça lui faisait peur. Vous connaissez le mec qui a fait Mamadou Sekpa là, les vidéos? Non. Ouais, il est... Non. Mais il a été arrêté parce que c'est devenu un djihadiste après avoir fait une vidéo sur Mamadou va en à Daesh. Et genre, il s'est vraiment radicalisé après avoir fait des recherches sur ça, quoi. Les mecs sont cons, quoi. Oh. On a un beau ouzbek et un beau timouride, mine de rien. On a le Mewar a bien grossi aussi. Le Vinayagar, il a. Il a des vassaux surtout. Trois vassaux, ouais. Le Bengal aussi. Bon, il y a que Karal qui est mort, mais ça, c'était attendu. Oh, c'est attendu. Oh là là. C'était écrit. Comme dirait Kel'Thuzad, oui, ça semble logique. Kel'Thuzad, je vois les références, quoi. Le nécromancien de Warcraft 3. Bon, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer en montagne, je prends un vilain moins 2. Putain, il y a 3-4 de morale, 104 de discipline, le bâtard. Je lui demande de l'argent. Oh, il est hyper riche. Est-ce que tu veux les 3 provinces ou on lui en enlève une et il nous donne 400 du cas? Bah alors, Lorissa, t'as plus ton putain de général 2 étoiles? Connard. Allez, alors là, les 12 000 hommes de Loirat. 4, si tu veux attaquer Loirat, c'est maintenant, hein. Oh, il fait mal, l'enculé. Il fait mal, putain, mais. Ok, le 3 de choc, il fait plaisir, là. Voilà. Chouan, il y a un amiral, il a 4 de feu et 2 de choc. En face de. En face moi, j'ai un général. Il a 3 de feu, 2 de choc, 4 de manœuvre et 1 de siège. Là, mon amiral, il a 5 de choc, donc je suis plutôt content. Il a wipe l'armée de carré. Et je l'ai reçu. Ah. Il a wipe l'armée de carré. Le Wu, t'as pas peur, là? Il te reste que 3000 hommes. Oui, je vais faire l'appel. S'il y en a qui veulent attaquer, il lui reste 3000 hommes sans MP. Hein. La renaissance a popé. Oui, ah, elle est arrivée en un avant. Ouais, nous, on est déjà au courant. On est déjà, nous, on sait ce que c'est, hein, les statues de marbre et tout, voilà. Et je l'embrasse direct. Ah non, ça, par contre, moi, je peux pas. Eh ouais, mon gars, je suis une grande puissance. Bon, par contre, on va douiller pour la prochaine institution, les gars. Oh putain, ça, t'oublies. Hein. Non, le colonialisme. J'évite de trop y penser. On évite, hein. On va jamais la voir. Hein. Avec un peu de chance, ça va popper chez moi. Mais Pépé, tu t'arrives à voir le Bengale? Oui, je vois ton Bengale. En fait, la seule chose que je vois pas, c'est l'extrême-orient, Owen, Chouan et compagnie. Oh oui, il était riche, lui. 346 du cœur. Putain. Alors, déclarer la guerre, c'est déjà parti. Le tir. Shadow Promise de Moscou. Putain. Oh merde. Ok. Ah non, mais Kat, il est à la frontière à la Lituanie, hein. Putain. Tiens, à ce propos, Youn, ça se passe comment en Europe, par curiosité? Pour l'instant, la France bouge pas, l'Autriche bouge pas, l'Ottoman à tout prix, quasiment. Tunis s'est fait péter la gueule par Djerid, le Maroc tout va bien, le Portugal bouge pas, l'Anglais bouge pas. Y a pas grand chose de notable. Ah oui, le pénis de l'Ouzbek, magnifique. Putain, le machin, quoi. On dirait vraiment une couille, hein. Regarde, t'as la bite, t'as le gland qui est quand même assez proéminent, et t'as une couille un peu bizarre, mais vraiment, c'est. On a le pénis ouzbek, magnifique. Oh, de séparatistes afghans, mais putain, mais allez vous faire foutre. De toute façon, quand vous avez la liberté, vous savez pas quoi en foutre, alors restez sous mon joug, ça va plus vite. Attends, le Buryat est encore en vie. Ah oui, il a une monoprovince. Le Bamadi, c'est ma pute. Il m'aide dans toutes mes conquêtes. Heureusement, parce que sinon... La vipère, t'aurais déjà perdu ton pays, sinon. Bon, écoutez, moi, j'avais tout prévu. J'ai fait des tests, hein. Non, mais c'est bien de pas avoir un Timuride qui fait direct le Mogol. Mais c'est surtout que tu peux plus le faire. Ah, c'est ça. Avec tous tes problèmes de vassaux. Putain, il a été... Non, il a été bien. Surtout que maintenant, tu peux rester sans le faire. Ah oui, la Pologne est mon ami. Quand il va finir à Brest, hein. Brest, à Brest-Litovsk. Attends, je vais essayer de m'allier à Novgorod en plus, comme ça, je vais lancer. N'oublie pas, tu me laisses Vienne, hein. J'ai quelques kilomètres encore à faire, mais je m'en rapproche, hein. Ouh, espèce de FDP, il est en train de bouffer sur la Utaya. Bâtard! PVP, PKPD. À poil, Pépé! Ah, ton corps nu! Oh mon dieu, velu! Putain, la jambe qui s'est allée au Mamelouk, fils de pute! Ça arrive jamais, ça! Y'a un mec qui veut rejoindre, Chova, Farsight, non, décliné. Putain, le mec, il a trouvé le mot de passe, quoi, incroyable! Ah bah en même temps. Bah 1, 2, 3, 4, faut quand même le trouver! Fuck quoi! C'est long, mais fort! Les portraits des conseillers musulmans, ça fait toute la différence, Owind! Le skill et le non-skill! Tu vois, Owind, ça s'appelle du pay to win! Tu vois? Tu comprends le même mot? Quand t'as les portraits des advisors musulmans, bah tu gagnes! Ouais, voilà. De toute façon, il te faut bien ça pour que ton pays tienne en place! Eh, au moins! Au moins!
Non, il faut y aller comme moi, c'est-à-dire pur skill, pas d'entraînement. Alors techniquement, Karail a perdu son pays une première fois, et là c'est le deuxième. D'accord. Essaye de le garder au moins deux secondes, c'est un exploit. T'as pas un mauvais positionnement, tu devrais pouvoir réparer les conneries de Karail. Ma position préférée, c'est l'étoile de mer. Chouan le poulpe. Il vomit de l'encre sur ses partenaires. Si tu veux, Chouan, j'ai une grande expertise en ce qui concerne l'utilisation sexuelle des poulpes. Fascinant. C'est quoi cette game, Karail? Tu m'as menti. Il m'a dit j'ai de l'argent, je suis bien placé. Tu j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, j'arrive. Ah oui, j'ai de l'argent. Je vis à crédit comme la France. C'est génial, j'ai de l'argent. Mais c'est gratuit, l'armée, c'est l'État qui paye. Tu devrais voir les steps qu'on a, moi et Kat, c'est moins glorieux. Je veux dire. Tu veux que je te parle de mon pays qui est à feu et à sang? Je viens de finir de mater la série The Punisher et je m'imagine une star dans la version française de The Punisher, tu sais. On vient de recruter un général 2 étoiles, il s'appelle Babar Boot. Quoi? Bravo Youngstar, hein. Ma monétisation Youngstar, tu m'avais promis. Alors c'est quoi déjà le numéro de SOS Racisme? Mais Pépé, n'oublie pas qu'à cause de toi, j'ai perdu sur DH, donc je vais te pourrir ta game, hein, ça, voilà. Alors le Ming, à chaque fois que je l'attaque, des fois il vient, des fois il vient pas. Quand il vient, il a presque 30 000 hommes. Je peux te dire que je refais mon anus quand il arrive, hein. On lui a pété les deux bras, les deux jambes, et pourtant il est toujours là. C'est le chevalier noir du Sacré Graal. C'est ça. Le machin, même en rampant, il essaie de te mordre, tu sais. Je vous abattrai. Putain, c'est chiant, je vois ni Chouan et ni Owind encore. Ils sont dans le brouillard de guerre. Saleté de forteresse. Ouais, toi aussi, t'es coincé sur une forteresse. Oh, 42%. Et Gavlop est en train de gagner sa guerre contre le Amago. C'est quoi ce machin? J'ai l'impression de dire des mots qui... C'est l'espèce de tache orange. Oui, la petite crotte. Ah, il y a un fort level 3 là-dessus. Il y a sa capitale, c'est un putain de fort. Du calme, du calme. Mais c'est pas possible, ça fait 5 fois, c'est le statu quo. On croirait entendre les hurlements de Chouan quand il avait perdu toute son armée de Timurides sur les stacks de 4. Crise d'apoplexie pendant que 4 était encore... Chose que personne ne saurait. Que personne n'a vu. Que j'ai... Parce que j'ai perdu les miens aussi, donc... Chouan et Owen. Chouan était en pleine crise d'apoplexie pendant que Kat était en pleine crise d'épilepsie et il se faisait concurrence. Kat, il est fou, chat sur le Kat. Bon, il avait un truc à 600 choc aussi, donc regardez, ils l'ont encore traviole les deux machins là, c'est magnifique. J'ai bien content quand la game a des 5 après. Ah, le courrier, ni pardon ni oubli. À Malacca, j'avais un phone Wissenburg à Malacca. Ta gueule, vipère, je t'interdis de chanter. Tu le sais pourtant. Quoique je t'autorise un petit Johnny. Hein, une minute de silence. Ah mon dieu. Oh non, je déconne. Qui a chanté ça? Qui a chanté ça? Comment est-ce qu'on banne des joueurs? Perdre 44 du cas, va te faire foutre quoi. C'est qui le Tongu? Non, le Tongu. Le Tongu. Le Ming a des petits problèmes de prétendant. Eh, t'as vu le roi du Tongu, Wind? Ouf, 6-5-6. Mais j'ai envie de te dire, dans cette région-là du monde, on a que des rois pétés en fait, partout. Ah bon? T'as moi mon héritier, mon 6-6-3, j'attends avec impatience qu'il monte sur le trône. Il faut que mon roi meure. Mais il va mourir. Non, tu fermes ta gueule, Chouan, déjà. La vipère, tu veux que je te donne de l'argent pour que tu puisses faire popper la Renaissance entièrement? Parce que ça traîne, hein. Oui, mais bon, c'est à peine à se développer. Tes gens refusent le progrès, le modernisme. Chez moi, on a des colonnes romaines. Moi, j'avais la phallique devant nos maisons. Oh putain, alors ça. Comme le plug anal d'Hidalgo. Go là qui avait sur la place. Oh non, m'en parle pas celui-là. Mais non, mais c'est un sapin de Noël, voyons. Oh là là. Comme le vagin à Versailles là, l'espèce de gros machin. Oh là. Non, le vagin de la reine, m'en parle pas dessus. Ah là là. Et puis on me dit oui, mais tout l'art contemporain. Non, c'est de la merde. Point. Oh putain, je viens de recruter 9000 hommes supplémentaires, ça coûte une blinde, hein. Putain, j'ai des séparatistes là, mais popé, bande de saints. Le Timuride gagne sa guerre contre Hormuz et Shamar. Le Ouzbek gagne sa guerre contre Chagatai, Transoxiane, Yarkand et Multan. On va aller voir un peu le Bengal. Le Bengal gagne. Non. le Bengal est en statu quo contre Kangra, Jaunpur et machin. C'est pas ma guerre. Le Vidnayagar. Ouh, Kaiser prend une branlée contre Bahamani et Ceylan. Y'a qui d'autre en Chine? Y'a le Wu et le Yue, je crois. Ah nous on continue de se masturber, hein. Oh putain de sa race quoi. 4 d'attrition sur un fort. Il y a hiver de base et il y a les traditions de ce fils de pute. C'est quoi l'hiver? Quand tu joues au mode A Song of Ice and Fire là de Westeros,
quand tu attaques avec les Wildlings, quand tu attaques le fort, t'as 15 d'attrition sur le mur. Mm. C'est genre, the wall. T'as 15 d'attrition, genre ton armée de 2000 hommes, en 5 mois, elle est à 0. Et comme t'as pas de manpower, tu te dis, ouais, bon, moi je vais attendre un peu avant d'attaquer. Hein. On va peut-être unifier les tribus. Ah, c'est ça, et comme t'as pas de dragon pour passer à travers. Quoi, je spoil. On a pas tous des dragons, hein. Techniquement, c'est plus un dragon, c'est une Wyvern. Mammouth de 2 vient de monter sur le trône. En même temps, si ma tante était aussi bonne, je la baiserais aussi. Non mais arrête, t'as une tante comme ça, je veux dire. Tu déclares que tu vas pas cracher dans la soupe. Tu la cartonnes quoi. Excusez-moi, je vais avoir des rebelles. Ah, et le Mewar est aussi en guerre, et le Mewar perd sa guerre contre Doombar et Kangra à moins 2. Rien de bien méchant. Ouais, la perd pas. Par contre, Kaiser, je crois que t'as mis la main dans un nid de frelons. Je crois qu'on aurait pas dû reprendre la save parce que à cause. On a pas. Avant, ça se passait bien, mais en fait, j'ai un qui est mort. Dommage, Kaiser. T'en parleras à Karai. Vous, bon, ouais, mort. Tu n'auras pas la primauté sur l'Inde. Le japonais est en train de gagner sa guerre contre Ogasawara à 91%. Mais là, mais mon problème, c'est plus la manpower en ce moment. Oh, les rebelles qui passent les frontières, oui, ça c'est beau. Allez chez les ennemis, n'allez pas chez moi. Je crois que Kaiser, il y a d'autres chats à fouetter que gérer les lettres d'insultes là. Parce que. Menace de guerre civile et tout. Oh putain, Kaiser qui va perdre son pays. Non, mais la malchance, tu vois. Alors, il est où celui qui critiquait la vipère? Oh putain, Lunestar, t'as passé le détroit. C'est badass. Alors, une comète. Magnifique. Oh, Kaiser qui va perdre son pays, ça y est. Merde, putain, je me fais attaquer. Babar, dépêche-toi. Moi, je dis que tu vas devoir baisser ton froc, Kaiser. C'est Babur qui demande l'appel de Baba. Mais je pourrais passer ban, ami. Oh putain, d'accord, bon. Non, mais c'est sa technique contre Redfish, se faire avec pareil. Je serais pas le premier dans cette game à le faire, hein. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment malchance sur marchance, quoi. Guerre civile, pas d'héritier, le roi meurt. Peut-être qu'il gagne pas en change, le Bengale, de t'avoir aussi près d'un coup et au nord, tu vois. Ah ouais, j'aurais tout le sud pour m'étendre. Et le Mewar non plus. Ouais, mais je crois plutôt qu'ils vont peut-être s'allier contre toi pour te péter, tu sais. Ce sera plus à ça près. Je vais avoir une révolte de Buryat sur le lac Baïkal. Oui, mon général 2 en siège. Toi, tu vas. Amener, voilà. Mon général. Ah oui, bah alors lui, c'est mon fer de lance, hein. Je viens d'avoir mon héritier, il s'appelle Babur. Alors moi, je suis tout le temps négatif avec mon armée là. Hein. Je suis obligé d'aller piller chez le chinois pour réussir à remplir mes caisses parce que c'est pas glorieux là. Duncan, il a pas compris comment le chat marche, j'adore. Ce truc marche une fois sur deux, ça commence à me casser les couilles. Mais on fait la carte contre qui là. D'accord, en fait, le. Principal belligérant de la guerre vient de se faire annexer. Ouais. Oh bah putain, ça a l'air sympa la géopolitique en un. Ah bah du coup on gagne la guerre à 70%. Donne-moi une belle femme, Chouan. Donne-lui ton étron, ton laidron, Chouan. Attention toi. Oh, hey, j'ai rien dit. D'ailleurs, je comprends pas, mon sultan a eu un fils, il a pas capitale. De femme. Ou peut-être qu'elle est morte, entre temps, la femme. Oh, Chouan, tu m'avais promis. Mais c'est pas moi. Oh, la réputation de Chouan, quoi. Ouais. Mais elle met combien de temps à arriver à la Renaissance? Très long. Alors, Owen. Elle avance même pas chez le Bengale, quoi. Mais non, il a pas payé pour, ce qui fait que... Vous moquez pas, j'ai pas assez d'argent, je vais en avoir à la fin de la guerre. Moi, pendant ce temps-là, ma renaissance va commencer à s'étendre en Chine. Mes amis chinois, je vous amène le savoir, en même temps que mes cavaliers. Et la technologie. Bon, je viens de trouver un allié, l'Ottoman. Oh putain, ça va? Ça va, là? Champagne, j'arrive, Vienne. Les valses de Yoon. Oh, ça fait chier, faut que j'arrive prendre plus car... Le cul de Yoonstar, c'est une autobahn. Il y a 6 voix. C'est ça. Pépé, tu te moquais. Oh non, je me moque rien, moi. Suis... Quand tu vois comment je galère à prendre une ville, je me moque de personne, hein. Moi, je peux pas, j'ai pas le droit, hein. La vipère qui passe deux techs d'un coup, allez. Ah, mais en fait, Kaiser, au lieu de faire la renaissance, t'aurais peut-être dû faire préférer un pays, tu vois. Là, ça allait loin, le niveau event. Hein. Continue, Kaiser, il joue quoi? Le Vinayagar, il est un peu occupé par le Bamani. Ah, d'accord. Le Mewar ne voudrait pas venir backstab. Oh putain, le Mewar en train de gagner deux guerres simultanément, quoi. Ouais, il est en train de bifler tout le monde. Putain, le machin, il arrive, boum. Ça me fait chier d'avoir cette rébellion maintenant, là. Oh, il pop maintenant. Alors, les autres bâtards, il leur a fallu 2 ans. Par contre, eux, ils arrivent tout de suite, hein. Ah, bah tiens, mes gars, ils savent pas lire. Ouh, Kaiser est tombé à moins 37 de score de guerre. Je suis devenu une grande puissance. Ouh, GG. Et sans la renaissance, en plus. Putain, obligé d'aller mater des rebelles en pleine guerre contre le Ming. Ça, sans déconner. Et aller mater des rebelles sur le lac Baïkal, hein. Parce que y a rien d'autre à foutre, hein, pour en pleine guerre contre le Ming, hein. Attends, sinon, c'est... Oh non, attends, je fais une erreur, fuck. Non, mais regardez, je vais dans le mixer. Putain, il a tout donné à la transactionniste. Attends, t'as donné le temps. Un misclick, c'est le jeu, mon gars. C'est pas un bug, c'est rien, c'est toi qui as fait de la merde. Hein. Juste parce que j'ai habitué pas les DLC. J'en ai vu un paquet de games de Europa Universalis avec des misclicks qui ont foutu la merde des gens, hein, je pense. Ça, c'était surtout sur Stellaris. Hein. Ah oui, sur Stellaris, je suis en misclick qui accepte l'offre de paix. Il a donné ses planètes alors qu'il gagnait la guerre. Ça,
c'est unique, t'es. Je m'attendais pas à un tel coup de pute. Il n'y a que Chouan pour faire ça. Les alliés de passe-passe sont toujours des putes. Chouan le rageux. Allez, oh, 12. Allez, les armées qui sont pas contents. Oh putain, le Ming qui arrive. Le petit bâtard, je vais pas faire long feu ici, je me casse. Quoi, encore des rebelles? Oh, mais non, mais des rebelles qui ont pompé sur la province que je viens de nettoyer. Et le Ming, il va se faire wipe par 16 000 rebelles d'ailleurs. Allez, mange ça, Jean bâtard. Putain, j'ai pas encore commencé ma vraie guerre en Chine. Il faut que je fasse monter ma Horde Unity là, putain, je suis tombé à 84. Non, je veux pas ton offre de paix, je vais te full annexe, gros bâtard. Oh. Oh. Où en est Kaiser avec sa guerre? Non, je pense que là c'est fini. Ah putain. Ouais. Bah, essaye de voir si tu peux pas lui faire une paix manuelle en baissant un peu ton pote. Une paix Manuel Valls. Manuel. Parce que là, franchement, à te voir détruit, j'en jaunis à l'idée. Ah, c'est là que j'attendais, Youn, ça, tu m'avais promis. Le Babani a allumé le feu, hein, Youn. À défaut d'allumer les feux, je... Oh non, la vipère. La vipère, ma monétisation. Il faut allumer les feux d'alarme d'Israël. Je vois la poule. Je suis mort pour Guignon répondra. Le problème, c'est que moi, ça me dérange pas que Kaiser passe Babani, mais qu'en pensent le Mewar et le Bengal, quoi, parce que c'est eux qui savent courir l'air aussi, peut-être leur expansion. Tu te rappelles de quand tu m'avais mis Mas au sud de mon... Ouais, mais là, t'étais quand même seul, là, t'es entouré de mecs, t'as des mecs en Extrême-Orient, t'as des mecs au-dessus, t'as des mecs en Inde aussi, là, c'est plus compliqué, quoi. La vipère, je veux bien faire une alliance avec toi. Hein. Ouais, bah, en même temps, t'as perdu ton pays, tu fermes ta gueule, quoi, tu prends ce qu'on te donne, hein. Là, ça t'arrange bien, tu donnes ce qu'il veut au Bahamani, tu récupères le Bahamani derrière, tu sais, ouais, d'accord, en fait. Les deux qui bouffent le plus avec moi dans le nœud du Siam, c'est mes deux vassaux, tu sais. Putain, mais comment ça se fait que c'est mon vassal qui récupère une grosse partie du fric, là, ici, enculé? C'est mon pognon. Quel bordel c'est en Chine, quoi. Attends, c'est chiant, on peut même pas se déplacer en Chine, il y a tellement de rebelles. Hé, hey, le Wu, là. Qu'est-ce que tu fais là, le Wu? Bah, c'est chez moi. C'est chez moi, ouais, c'est chez moi aussi. Hé, hey, le Wu, t'as assez à faire à aller taper le Ming juste dessous, là. Bah non, moi je veux les côtes, c'est riche le qui, je vais pas les prendre les trucs de merde. Ouh, ça commence à créer les tensions ici. Je crois que ça va se taper dessus. Oh Thierry, on n'avait pas vu ça depuis longtemps, hein. Tu sais que le Wu, je suis tenté de te déclarer la guerre juste pour te stack wipe là. Vas-y Pépé, tu portes tes couilles. Pépé, reviens. Pépé, je suis gros. T'entends. Pépé, je suis grand. Tu sais, quand tu regardes contre qui le Yu et le Wu sont en guerre, tu te dis, bah putain. Il joue quoi, Rome? C'est le Yue, tout au sud. Il y a des gens qui préparent des messages. Des backstabs, peut-être. Beaucoup de backstabs. Oh quoi, genre, j'ai perdu un vassal, mais non. Un vassal, putain. Oh, le Karakunulu qui est en train de se faire... Ah non, c'est pas le Karakunulu, c'est un connard qui est en train de se faire défoncer par l'Ottoman. Vas-y, mon brave allié Ottoman. Tu as toute ma bénédiction. Nous unifierons l'islam tous les deux. Oh. Jusqu'à Cordoue. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Pépé, j'ai demandé aux deux autres joueurs, ils sont d'accord. Bah si ça les dérange pas, bah tu te casses et tu reviens, tu reprends le Bahamani. Par contre, si c'est un pet de travers, Kaiser, t'inquiète pas, je trouverai des potes, hein. On va te violer, on va te prendre la journée. Hein. Oh, je te préviens, le Dali, ton alliance avec le lendemain, je vais pas la tolérer longtemps. Hein. Fais gaffe à ce que tu manges sur le Dai Viet, hein, parce que j'ai des potes aussi qui aimeraient bien manger, dont moi. J'ai des potes, j'ai Owen, je vais appeler tous mes potes, tu vas voir, on se retrouve devant le McDo, je vais te voler tes... je vais voler tes Big Mac. Par contre, je te le dis maintenant, le Bahamani, on est rival, hein, donc va falloir qu'on trouve un truc. Oui, oui. On fait le deuxième joueur qui change de pays, qui est le suivant, les paris. C'est ça, il nous a fait une ghost, donc en fait j'avais déjà une image de prêtre pour le Bahamani, tu vois, c'est cool, hein. Ah, Kaiser, le roi du fail, pire KDH. Eh, hey, Gavlof, mon gars. Oh, putain, mais t'as unifié le merdier, là. Magnifique. Mais Gavlof, il a pas traîné, hein. C'est assez inquiétant. C'est des tactiques que j'ai mis au point. Bon, il a quand même fait le plus dur, hein. Eh, hey, le Wu, je suis quand même sympa de nettoyer les armées, hein. Un truc qui traîne aux armées. L'envahisseur, je suis un peu chez moi, hein. J'ai autant de droits sur PT que t'en as, hein. Je suis même plus proche. Je suis la nouvelle dynastie chinoise. Ah bon, moi, ton pote Yue m'a dit que c'était lui. Non. moi, je crois que c'est toujours l'Empire de Chine, hein, le mandat céleste. Qui va aller claim le mandat céleste, les gars? Ouais, perso, j'en veux pas, moi. Je vous le laisse avec joie. Bon, bah, la guerre fut brève et rapide. Un petit peu comme quand c'est avec Yue.